je vous ce vlog en direct de Normandie. Nous sommes partis quelques jours, c'est le dernier jour en fait. Ouais, j'ai pas du tout filmé. J'ai fait la petite détox, même sur Insta, enfin voilà, j'ai tout coupé. Et je m'attendais à ce que ça me fasse du bien et ça m'a manqué, c'est fou hein. Mais sinon, ouais, c'était très chouette. Un petit peu fatiguée là, c'est le contre-coup, on a bien vécu. C'était mon anniversaire, on était en famille, on était 10. 10 dans la maison de famille. Voilà, tout le monde commence un peu à partir. Nous, ça va être après manger. Et je vais reprendre le fil des vlogs. En cette fin d'été. On est combien là? 19 ou 20 août. Je vais essayer de reprendre un petit rythme un peu plus classique. On a des choses de prévues aussi ces prochains jours. Notamment une journée sur Paris. On va retrouver aussi bébé Jackie. Mais j'ai ma maman, moi quand je pars comme ça plusieurs jours, ma maman s'occupe de lui tous les jours en fait, m'envoie des petites vidéos, des photos, donc je reste connectée. Donc ça va, ça passe. Je fais une dernière prise de vue avant qu'on rentre, on va passer après à table. Et on va quitter la Normandie. J'ai l'œil qui pleure, je ne sais pas, peut-être des excès, je ne sais. On va aller faire un peu de shopping. Et après on va rentrer, on a 1h45 ou ouais, à peu près. 1h45, 2h de route, donc ça va. I'm back. Nous sommes donc revenus hier et on n'a pas fait mon feu, hein, tellement on était mais explosé. On a passé 3 jours, ouais, 3-4 jours, mais chaque jour était tellement intense que waouh! Là nous le payons. D'ailleurs, pour preuve, je reviens de la pharmacie. Oméprazole, Gaviscanel. Et donc tout ça pour vous dire que je reviens de la pharmacie. Et je vais quand même, ce matin j'ai tourné la vidéo de la box. D'ailleurs, est-ce que vous voyez? Vous savez que j'ai une nouvelle caméra. Voilà, j'ai une nouvelle caméra, on me voit bien. Voilà. Et je n'avais pas vu en fait que dans cette caméra, il y a également l'objectif 50 mm qui est intégré. Et pour mon anniversaire, à la base, j'avais dit oh, j'aimerais bien avoir le 50 mm parce que je trouve que le rendu est top. Regardez. Attends, là je me mets vraiment en 50 mm. C'est hyper net, le cadrage est top. En fait, il était déjà intégré. Alors quand tu vois que rien que l'objectif, il doit être dans les 300-400 euros. Et donc, sans transition aucune, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus à mon anniversaire. Ouais, je vais remettre en mode 16 mm comme ça, là. Plan un petit peu plus large pour vous montrer. Et le... Oh, ça me brûle vraiment énormément. Oui, le cadeau que j'ai eu, déjà un des cadeaux, c'est un petit peu un gros kiff, hein. Cadeau qui a été essayé par l'ensemble des personnes qui étaient avec moi en Normandie. J'ai eu beaucoup de mal à le ramener. Je pense que... Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un siège auto, c'est un gros délire. Le siège Massan Eden Prestige, Shiatsu, roulement, tapotement. Et il y a même une zone qui te chauffe le dos au niveau des cervicales. Mais ça marche vraiment. Attention, c'est très intense. Hein. Enfin, c'est toi qui module, bien sûr. T'as la petite télécommande, ça s'adapte. Mais c'est top. Je vous ferai une démo, hein. Obligée. Ouais, donc ce qui est cool, c'est que ça s'adapte sur une chaise. Il faut le brancher. Enfin, il faut une prise. Tu ne vas pas le mettre dans ta bagnole. Mon siège de bureau, ça peut le faire, je pense. Exceptionnel, ce truc. Exceptionnel. Il a même sa petite housse de rangement. Voilà, tout fait tomber. Ah mais vous avez pas vu la jaquette? Viens. J'ai eu droit à un câlin hier quand je suis rentrée. Au début il fait la gueule tout le temps. Ça dure quoi 20 minutes? Non, une heure. Une bonne heure et après. Mais câlin, trop mignon. Tu viens? Est-ce que t'as fait des bêtises? C'est beau? Ça c'est un beau garçon. C'est un très très beau garçon. Donc, je vous montre la suite. Magnifique. J'ai eu un ensemble de chez... C'est bon. Rituals. C'est-à-dire que à l'intérieur, il y avait... Ouais, parce qu'on a un petit peu... Dans le transport, ça a bougé. La bougie est magnifique, la senteur laisse tomber. Parce qu'elle n'est pas du tout entêtante, elle est subtile, elle est chic, elle est waouh. Donc ça, déjà magnifique. Mais c'est pas tout. Pour aller avec la bougie, la cloche, évidemment. Cloche, apparemment, parce que la personne qui m'a offert cet ensemble... dans la boutique Rituals, ça, elle était présentée dans une cloche. Et ils ont dit non, la cloche, on ne la vend pas. Et du coup, la personne est allée me chercher une cloche ailleurs. Je sais pas, peut-être Maison du Monde. Ou... J'ai pas demandé en fait. Il faut pas que je déconne là. Il faudrait pas que je fasse tomber la cloche et la bougie. C'est joli, hein. Le savon pour les mains.
Cette collection est sublime. C'est Sweet Jasmine. J'ai eu en fait un coffret soin avec mon produit chouchou, celui que j'aime le plus. Si tu me dis, cite-moi le sérum que tu aimes le plus, qui fonctionne le mieux, tout ce que tu veux, bah c'est ça. C'est Estée Lauder Advanced Night Repair. Et alors là, tu peux pas faire en plus gros, c'est le 100 ml. Et j'ai eu également la crème contour des yeux. Très très bon, mais vraiment. Quand je vous dis que ça fonctionne, c'est drôle parce qu'en général, je l'ai, mais comme ça, quoi, ce format-là. Ça va me durer, bon, même si j'en mets matin et soir, je pense que ça va me durer un bon 3-4 mois au moins. J'ai pas regardé, tiens, comment se présenter... Ah, bah si. Ça, c'est vraiment la gamme réparatrice. Tu le mets, tu le fais pendant un mois, tu vois qu'il se passe un truc. J'ai eu de la déco. Il va falloir que je réfléchisse, mais je le verrai bien sur un pan de mur coloré pour que la dorure ressorte. Le miroir. Elle est super jolie. Hein. Ah, vous voyez comment j'ai stabilisé la caméra. Il est très fin, je trouve, le liseré. Nous avons le distributeur de croquettes. Et on a une jaquette ici. Eh oui. Et donc, je vous montrerai, bien sûr. Ah, j'ai mis des traces de doigts. Quand je l'aurai installé. Oh si, il faut que je vous montre. Non mais en plus c'est trop mignon. Ma petite nièce a fait de ses mains un porte-photo. Regardez. C'est adorable. Il faut juste que je le stabilise. Je lui ai dit que j'allais le mettre sur mon bureau et que j'allais lui faire une petite photo. Voilà pour mes cadeaux. Mais non. Je savais bien. Rien que de le regarder, ça me brûle l'estomac. J'adore. Gin tonic. Alors regardez comme elle est belle l'affiche. Attends, parce que je me recule, parce que même le bas il est un peu pop. Ah, regardez le bas aussi. Voilà, c'est comme ça. Elle est belle, hein. Je vais la mettre dans mon bureau, celle-ci. Bon, je crois qu'on arrête de rire là. Oh, non mais regardez, j'ai trouvé l'emplacement, on est d'accord. Ah, c'est fabuleux. Ah oui. Bien sûr, je dis oui. Par exemple. Eh ben, c'est super beau. Alors le truc, c'est que il est peut-être un peu petit par rapport au reste du mur. J'ai peur que ça fasse perdu. Perdu sur le mur, mais l'idée est pas mal. Hein. Par contre, on n'a plus rien. On est revenu hier soir. On va aller faire des courses. Je crois que c'est le temps parfait. On n'a plus rien. Quand je dis qu'on n'a plus rien, si des bouteilles d'eau. Et ce midi, il me reste un yaourt. Mais sinon, non, il va falloir agir. On y va? Ah, parce qu'il m'entend. C'est toujours aussi chiant les courses. Hein. J'adore cela. On s'est pris une petite saucée. Je vais tout installer. Je sais que vous aimez bien de temps en temps quand je vous montre. Je vais tout mettre on the table et je vais vous montrer une petite vue d'ensemble. J'ai acheté un dessert pour mamie. Faut que je dise à ma maman d'ailleurs. Ça m'a l'air pas mal. Le crumble Becky's Factory à la framboise. Donc je vais le faire chauffer. Et je vais rajouter un peu de glace vanille. Ah, c'est vanille bourbon. Ça doit être très bon. J'ai pris deux tranches de rondes tranches grasses. Ça rend pas du rêve, ça. Des tranches de dinde. Non, tu descends. Des haricots verts, des petits pois. Banane. Ça, c'est bien. La dernière fois, j'avais une crise dans la nuit. Ça me brûlait. La banane efficace de fou. Nectarine blanche. Des pommes. Voilà, ça. Des œufs. Je vais faire des œufs ce soir. Avec le saumon. Avocat. Mesquite. Je range tout ça. Quelle tristesse. Oh, on n'est pas content celui-ci. Non. On peut savoir après qui t'en a. Hein? Je te reconnais. C'est Jackie. C'est la Jaquette, le chat le plus beau du monde. T'es un petit bébé. Jaquette? Dans l'état, les chaises. Oh, j'ai vu des jolies chaises chez Maison du Monde. Mais elle est un peu en velours, donc forcément, c'est un peu risqué. Il est tout foufou. Qu'est-ce que c'est? L'amoureux de sa mère. Bon, c'est pas le tout, mais faut ranger. J'ai pris aussi une petite salakis que je vais manger avec mon melon. Non, mais je ne peux pas laisser. C'est pas possible. Regardez. Non, mais... Tu as besoin d'aide, peut-être. Le mec, il se sert une boisson. Mais tu te crois où, en fait? J'allais oublier le petit chapeau, évidemment. Mais non, c'est une blague. Mais tu sais que tu me fais honte là. Je viens de laisser la poubelle parce que ce soir il faut sortir les poubelles et il est 18h58. Non mais je vous assure que je le nourris. Hein. C'est juste le plaisir de voler. Un pirate, hein. C'est quoi ça? C'est pas pour Jackie. Non. Alors j'ai mis
l'affiche ici. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Alors, par contre, j'ai mis du double scotch. Je pense que ça commence déjà à se décoller. Faudra que je fasse autrement, je verrai. Mais je trouve que ça fait joli avec le prolongement du bureau. C'est nickel. Bon, là, je suis en train de ranger sur ma trousse de toilette. Ah, tu vois, ça y est, ça vient de se décoller. Mais non, je pense que ça peut être chouette ici. Je retourne au montage. Ah bah non, il est déjà 19h15. Je vais les préparer à manger. Il est 20h. Voilà, ma petite assiette du jour avec la coriandre. Et je vais me faire, je suis déjà à la saison 17 là, de Grey's Anatomy. Il me semble qu'il y en a 19. Hein. Ah, ça me met en joie ça. On peut savoir ce que tu fais ? Tu vas laisser ta mère manger tranquillement quand même, j'espère. Hop. Le lendemain. Ah, je vous montre cette tenue, je l'ai achetée là, en Normandie. C'est une combinaison noire. Elle est hyper sympa. Attendez, parce que la caméra tombe. Faut que vous la voyez vraiment de plein pied. Je les porte avec mes buffalo. Vous voyez ? Hyper confortable, j'adore. Et on a une loupiote ici. Voilà, faut que je sorte. Je vous ai dit ou pas ? On allait manger chez maman ce midi. Il a l'air de faire pas mal là. Regardez le petit détail de la serviette, toute mini. Il y a des petits cœurs aussi. Oh. Adorable. Bon, bah, on va manger dehors. Mais c'est cool, non ? Vous avez vu la capacité ? J'ai ? Bah oui, t'as des cheveux gris. À chaque coup, l'impression, franchement, moi, je me dis tiens. C'est pas grave ça. Oui, je disais, vous avez vu, je n'arrive pas à tenir une coiffure plus d'une heure. J'ai cru que c'était mes 70 ans l'anniversaire. J'ai l'air vieux sur les photos. Ah bon ? Il a vu les photos, mon père a dû lui envoyer des photos là, des séjours en Normandie. Ah bon, j'ai pas fait gaffe. Oh, c'est beau ça. L'entrée, des verrines, des perles de mer, je crois, du concombre. Oh, top. Je viens de préparer les desserts. J'ai fait chauffer donc le crumble, 45 secondes au micro-ondes. Ça a l'air bien sympa. Hein. Il est 18h15, c'est toujours le même jour, hein. Je me suis juste mise à l'aise. On est rentré vers 14h30 de chez maman. Vous avez vu, on s'est régalé. Je sais plus ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré. Bref, il y avait en plus du poulet, des patates. Et dès que je suis revenue, je me suis mise à bosser. Il est 10h15, je viens de terminer l'instant. Donc ma vidéo, c'est bon. Elle est en ligne. Et j'ai très très envie de manger des sushis. Ça fait plus d'un mois au moins que je n'en ai pas acheté. Donc Eric m'a proposé, m'a dit écoute, tu passes commande et j'irai te les chercher. Parce que oui, forcément... Sushi devant une série, c'est encore mieux. Enfin, perso, je trouve. Mes lunettes, c'est une cata. Je vois, vous n'allez pas vous rendre compte. Entre rayures, j'ai beau les laver tout le temps, je comprends pas. Et vous voyez là, ça c'est entre moi. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est Stitch. Je suis complètement con. Pendant tout le moment où j'étais avec ma petite nièce, elle est fan de Stitch. J'arrive pas à lui dire, mais je vois pas qui est Stitch. J'ai une robe de chambre. Stitch. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que j'avais dit. Waouh. Plein de petites choses sympathiques. Il y a les tempuras de crevettes et les gyoza. Ça t'embête si tu regardes Emily in Paris ? Non. Je fais une pause. Je vous ai pas montré. Attendez, hop. Eh bien, ça fait partie de ce que maman m'a offert pour mon anniversaire. Elle me l'a donné tout à l'heure. Donc, c'est un joli coussin. Et j'ai eu un cadre et comme elle savait pas en gros cadeau quoi me prendre, prochainement soit je me trouverai un manteau, un truc comme ça, ou alors une belle déco, je verrai. La broderie là, dorée, rend super bien à côté d'un point de lumière. Et sinon les sushis, excellent, mais j'en ai trop mangé, beaucoup, je ne sais pas m'arrêter. Mine de rien, c'est très bourratif. Si je vous dis que son Jackie est avec sa maman, t'as un beau profil dis donc. Et bon, celui-ci, il est énervé. Vous savez pourquoi il est énervé ? Parce qu'il dormait tranquillement et j'ai bougé. Voilà. Ah bah non, tu te venges pas sur le canapé, hein ? C'est mignon. Ouais, j'éteins, c'est bon, on va se recaler, t'inquiète. De nouveau avec vous. Hier, je n'ai pas vlogué. Je suis un petit peu, beaucoup même dégoûtée. C'est le retour de... Je pensais pas aussitôt. La migraine. Voilà. Après 3 mois, presque, ça faisait 2 mois et 3 semaines, le fameux traitement dans le crâne, les injections... Comme je vous disais, ça a fonctionné de folie, c'était top. J'ai eu 2 petites crises de migraine, mais qui ont pu passer très rapidement avec du paracétamol. Hier, pas du tout. Hier, elle est revenue. Puissance... Ou alors, est-ce que c'est parce que j'avais plus l'habitude? J'étais tellement dans un bien-être qu'hier, elle était extrêmement violente. Je suis restée dans le noir, je suis restée enfermée, j'ai rien pu faire. Et aujourd'hui, je suis en plein, comment on appelle ça, le post-drome. Donc en fait, c'est l'après-crise. Horrible. J'ai plus mal à la tête, mais je suis dans un état... C'est très chaud. C'est très chaud, c'est-à-dire que j'ai même du mal à marcher. Je me sens donc très faible, fatiguée, bourdonnement d'oreilles, les vertiges, la nausée. Dans la douche, j'ai failli tomber. J'ai dû me mettre accroupie pour vous dire dans l'état. Ça va passer, hein. Normalement, demain, ça devrait aller mieux.
Mais je vais être obligée de recommencer. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. En même temps, il m'avait dit, je vous fais une petite dose pour voir comment vous réagissez, ce qui est normal. Résultat, deux mois et demi, un peu plus de deux mois et demi, ça a fonctionné. Donc, je vais essayer de le contacter pour septembre parce que il est hors de question que je reparte là-dedans. Quand t'as connu un bien-être, c'est plus possible. Ne pas souffrir, pour le coup, ça va me coûter cher. J'ai fait le calcul, ça va me coûter 150€ tous les mois. Ah oui, c'est tous les trois mois, mais bon, si tu divises. 150€, c'est ouf. Hein. Mais non, je veux pas repartir là-dedans. Donc, je suis un petit peu en bas d'aujourd'hui. J'étais dans une très bonne dynamique, mais bon. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas eu cette crise quand j'étais en vacances, enfin en Normandie. Là, ça m'aurait foutu bien les boules. Sinon, pour parler de choses positives, vos retours au niveau de la boxe, je suis trop contente. Au Pays des Merveilles, ça semble vous avoir énormément plu. Je veux faire maintenant des thématiques. D'ailleurs, là, celle de septembre qui est en commande, elle va être géniale. Donc, je veux être vraiment dans des thématiques respectées. Les thèmes, j'ai envie de vous faire voyager, j'ai envie de vous faire rêver. C'est vraiment le but hein, d'un coffret comme ça, surprise ou tu sais pas. Et donc, aujourd'hui, ça va être off, je vais bosser. J'ai rattrapé mon boulot. Et demain, c'est je revois mon frère et sa famille. Donc, ils reviennent. Parce que quand tu es expat comme ça, forcément, ils sont pas restés là. Il fallait qu'ils aillent voir d'autres personnes. Donc, on les revoit demain et ils reprennent l'avion. Pour Saint-Martin, dimanche. Ouais, ça va être ça. Donc, vraiment, j'ai pas envie de m'éterniser avec vous aujourd'hui parce que je suis pas dans un bon mood. Voilà. Il faut que je prenne sur moi. Ah, j'ai mis ma petite robe comme ça, à poids. Elle est à poids, oui. Et de toute façon, on va se retrouver, parce qu'il va se passer plein de trucs. On va se retrouver mercredi pour la suite des aventures. Je vous embrasse, j'espère que ça vous aura plu. Bisous.